ça t'apprendra à faire chier un marine. Je viens en paix. Ne faites plus un geste. Tout ce merdier, c'est votre faute. Si vous nous aviez pas tendu un piège, on serait pas en pleine galère. Je ne veux vous faire aucun mal. Je le jure. Sans blague. Je suis le seul à être armé. Honnêtement, je suis content de voir un visage humain. Moi aussi. Votre ami a dit : l'ennemi de mon ennemi est mon ami. Ce n'est pas toujours vrai, mais si nous tenons à survivre, nous devons nous allier. L'épée et le bouclier. C'est un peu trop un télo pour moi, mais d'accord. L'espace d'une seconde, j'ai un doute sur vos intentions. Vous pouvez me croire. Je vous aligne direct. Je tue des vampires. Vous croyez que j'ai peur d'un marine ? On dit qu'il faut garder ses ennemis plus proches que ses amis, mais... pas comme ça. Mais aussi, à situation désespérée, mesure désespérée. Beaucoup sont morts en ces lieux. Ça a toujours été comme ça dans votre pays ? Ce que nos ancêtres ont fait est sans importance. C'était une autre époque. La seule chose qui compte pour nous, c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Donc vous pensez que l'Amérique est l'envahisseur ? Que c'est nous, les barbares ? Pourquoi vous nous détestez tous à ce point ? Je ne déteste personne. Est-ce que ça vous va ? On en reparlera. C'est... de la dynamite. Attention. Les créatures... il faut partir.
dirait bien que c'est notre seule option. Un de nous deux retient la porte, et l'autre se faufile en dessous. Avis, c'est bloqué. Il va falloir trouver un autre passage. Je crois qu'il y a un passage. Il faut juste le dégager de mon côté. Dépêchez, ces choses peuvent être n'importe où. Vous avez une idée de ce que sont ces choses ? Ce sont des vampires. N'importe quoi. Mon père m'a dit un jour, si ça ressemble à de la merde, et que ça sent la merde, tu n'as pas besoin d'y goûter pour savoir ce que c'est. Croyez-moi, ce sont des vampires. Pour les vaincre, on devra s'unir. C'est le seul moyen. Ouais, c'est aussi l'impression que j'ai. Allez-y. C'est quoi la première chose que vous ferez quand on sera dehors ? Embrasser mon fils. Et vous ? Que ferez-vous ? Moi, j'irai sans doute boire un verre. Un événement invraisemblable s'est produit. Alors que j'étais assis près de ma femme, j'ai remarqué quelque chose dans sa main. La broche de Lady Bradshaw. Elle avait dû l'arracher en s'agrippant à elle. En retournant la broche, j'ai remarqué qu'elle ressemblait à l'une des créatures que nous avons sorties des cocons. Étaient-ce les démons dont Marie parlait ? Bradshaw savait-elle depuis le début ce que nous trouverions ici ? Ensuite, le cadavre de Marie a bougé. Ce n'était plus ma femme, mais quelque chose d'inhumain. Prise de fureur, elle a bondi sur moi. Et c'est au barreau de la cellule que je dois ma survie. Vous avez l'air d'avoir la tête sur les épaules. Alors je piche pas. Qu'est-ce que vous foutez dans l'armée de Saddam ? Pour nous, ce n'est pas un choix. Nick, votre ami.
Je l'aime bien. Il s'est montré bon. C'est le contexte. Dans d'autres circonstances, il vous aurait abattu. Que signifient ces marques sur votre casquette? C'est un hommage aux morts. C'est pour ça que je me bats. C'est une raison valable parmi d'autres. C'est une très bonne raison. La seule valable. Je ne suis pas votre ennemi. Vous devriez peut-être regarder les infos. Écoutez. C'est l'histoire d'un homme qui avait bâti sa maison sur les berges d'un fleuve. Pendant les crues, ses murs s'érodaient. Lors des sécheresses, il n'avait plus d'eau et souffrait de la soif. Le jour, les insectes piquaient la chair de cet homme. Mais chaque soir, il disait à sa femme qu'il ne manquerait jamais de poisson. C'est vous qui avez choisi de faire cette guerre. Vous avez assez bavardé pour le moment. Moi, je dis qu'il faut se tirer de la vite fait.
Ça ressemble à une infirmerie. Ça pourrait nous servir. Si vous voulez transporter des explosifs vieux de 60 ans, libre à vous. Les armes chimiques sont pas loin, c'est ça ? Je vous raconte une blague ? Non. Janvier 1947, 1h du matin. Le saboteur a encore frappé et nous a enfermés ici. Nous sommes piégés avec ces choses. Tout autour de nous, elles hurlent dans les ténèbres. Crow a braqué sa mitrailleuse sur les catacombes. Marie avait raison. Nous ne pouvons pas lutter contre un ennemi qui n'est pas vivant. Il n'y a qu'une solution. Faire s'écrouler le temple sur leur tête, quitte à ce qu'il s'écroule sur les nôtres également. Pas question que ces créatures sortent d'ici. Des cavernes. Quoi qu'il y ait en bas, c'est là que ce groupe a dû aller. Attendez un instant. Que faites-vous ?
Vous pensez qu'ils sont encore en vie? Vous gardez espoir. L'espoir, c'est tout ce qui nous reste. C'est votre femme? C'est étrange de côtoyer quelqu'un si longtemps sans jamais vraiment le connaître. J'ignorais que mon capitaine était marié. Le connard avec qui vous étiez, là? Il a été tué. Moi, ça me va. Fait un ennemi de moins à gérer. Un jour viendra où vous regretterez d'avoir eu cette pensée. Je ne regrette jamais rien. L'endroit n'arrête pas de nous surprendre. Ça vous inspire quoi? Je n'ai jamais rien vu de pareil. Vous voyez ce câble d'ascenseur? Les explorateurs ont dû descendre. Je doute qu'ils aient pu remonter. Ce treuil a l'air de fonctionner. Non. Non? On ne doit pas aller en bas. Les archéologues n'en sont jamais revenus, vous en tenez compte? On n'est pas des archéologues. Notre monde à nous est en haut, sûrement pas en bas. Ouais, mais il y a une armée de monstres entre nous et la surface. Ils sont pas loin, allumez. Vous êtes fous. Si ces vampires viennent de quelque part, c'est d'en bas. Vous voulez vraiment les affronter sur leur terrain? C'est exactement ce que je fais depuis que j'ai mis le pied dans ce pays. Démarrez-moi cet ascenseur! Une créature ancienne est sortie de sa torpeur et elle est assoiffée de sang. Et si nous faisions le bilan des disparitions? Rachel est revenue vivante à la lumière. Bravo! Aucune perte. Cela dit, ne vous réjouissez pas trop vite, car leurs vies ne tiennent qu'à un modeste fil. Espérons que rien de regrettable ne soit arrivé au sergent Kay. Ceux que l'abîme entraîne ne font que rarement de bruit.
Quant à Jason et Salim, deux ennemis jurés incapables d'enterrer la hache de guerre, ils souhaiteraient plutôt se la planter dans les vertèbres. N'allez pas croire que je veuille vous paraître impoli, mais le temps joue actuellement contre nous. Je tiens à accueillir vos protégés quand ils franchiront la ligne d'arrivée, ou à enfouir sous celle-ci ce qu'il en reste.